l'une des pépites hein, du triathlon longue distance, Jamie Riddle qui sort en tête de l'eau. Et là, on voit que Pierre Lecor, il a déjà pu mettre son casque de chrono. Pour le moment, pas de pluie, mais effectivement, ça souffle fort. Et théoriquement, si le vent est dans le même sens qu'hier, on va partir vent dedans pour les hommes. On voit Pierre Lecor qui profite de boire puisqu'on arrive au demi-tour justement. Et là, ça va pas être la même. Ça va prendre vent de face et heureusement la route est sèche puisque ce demi-tour est un peu court. Et on va le retrouver de toute façon un peu sur tous les tableaux. Voilà, c'est fait. Bravo Pierre. Et il a rendez-vous maintenant avec les Jeux Olympiques. Peut-être s'il décroche sa sélection. En tout cas, c'est une belle marche en avant Paris 2024. Pierre Lecor qui s'impose ici, champion du monde en Slovaquie. Le Français qui décroche la médaille d'or.